Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo de Mikares Zone. Donc, comme je vous l'avais promis, je vais essayer d'être le plus régulier possible. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite machine en fait qui va nous permettre de faire de la récolte automatique. En effet, normalement, sur Xbox, quand on a besoin de récolter, il faut qu'on plante, qu'on attende que ça pousse et qu'ensuite on récolte. On peut effectivement accélérer de la pousse à l'aide de poudre d'os ou bol mine, comme certains le prononcent. Mais effectivement, ça demande de planter, d'attendre que ça pousse ou de faire pousser plus vite, et ensuite de récolter. On peut effectivement automatiser cela, et c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui, à l'aide d'une machine. Alors, je ne vais pas vous détailler cette machine, qui fonctionne très bien, parce que vous avez remarqué qu'elle est très, très, très gourmande en redstone. Mais elle fonctionne. J'ai résolu un petit bug que j'avais grâce aux vidéos de Darion. Donc je vous invite à de nouveau à aller voir sa chaîne, plus précisément ses tutos Redstone, où tout est bien expliqué. J'avais un petit problème avec ce bug switch que j'ai résolu. Et en fait, cette machine, elle fonctionne d'une façon très simple. C'est que vous vous présentez sur la plaque de pression. Vous avez donc un petit compteur qui se met en route. Il vous suffit de mettre une pousse. Et au bout d'un certain temps, hop, une fois qu'elle a poussé, elle est récoltée. Alors cette machine est bien, elle est un peu lente comparée à celle qu'a réalisée Starvey. Je vous mettrai aussi le lien vers sa vidéo et je vous invite à de nouveau à voir sa chaîne. Mais effectivement, elle est un peu lente et puis en plus elle est très très gourmande en redstone. Je ne vais pas vous la détailler parce qu'en fait j'ai continué mes recherches et j'ai trouvé une qui est beaucoup plus compacte, beaucoup moins gourmande en redstone et qui est beaucoup plus efficace. Et je vais vous expliquer un petit peu son fonctionnement. Mais avant de vous la détailler et de vous montrer le fonctionnement, je vais vous expliquer un des petits principes que j'ai utilisé en fait, qui est une des propriétés des blocs sur le Minecraft, c'est l'actualisation des blocs. Alors je m'explique. Ici nous sommes dans le noir. Alors, malgré le fait que je n'ai pas de potion de visée nocturne, mais j'ai un peu augmenté la luminosité, donc du coup, on voit encore un peu à l'intérieur. Vous avez là un sol labouré, dont le labour est conservé avec la présence de l'eau derrière. Et en fait, il y a une particularité qu'il y a avec la terre labourée, donc l'actualisation des blocs, c'est que si vous plantez, si vous avez quelque chose de planté dans de la terre labourée, et que vous actualisez le bloc autour, et là, plus précisément, on va l'actualiser en changeant de la lumière. Ben, qu'est-ce qui se passe? Hop, ça dépop. J'actualise, ça dépop. D'accord? Donc, on va utiliser ce principe pour pouvoir justement récolter plus rapidement notre blé ou nos carottes ou nos pommes de terre une fois qu'elles sont arrivées à maturité. Donc, je vais vous montrer la machine en fonctionnement. Donc, ben, j'ai déjà du blé, mais il suffit de mettre un coffre. Là, comme vous voyez, ben, ma terre est toujours labourée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je rentre dans ma machine. Hop. Et là, ça s'allume. Ça clignote. Alors, le clignotement de la lampe est tellement rapide qu'on ne le voit pas. Mais à ce moment-là, il vous suffit de garder le doigt appuyé, de cliquer plusieurs fois d'affilée. Et là, vous vous mettez à récolter du blé. Voilà, comme ceci. Et voilà, tout simplement. Et lorsque vous pensez avoir assez de blé, vous vous arrêtez. Il vous suffit de reculer, la porte s'ouvre, vous sortez et vous rangez votre blé. Pour les carottes et les pommes de terre, le principe est le même. Vous prenez votre carotte, vous mettez dedans et vous avez qu'à plus qu'à cliquer plusieurs fois pour récupérer de la carotte. De la pomme de terre, pardon. Alors, il peut arriver que vous ayez de la pomme de terre empoisonnée pour la simple raison que si ça dépop avant que ce soit arrivé à maturité, des fois il arrive effectivement qu'on récolte de la pomme de terre empoisonnée. Et pour les carottes, le principe est le même. Vous voyez, je clique plusieurs fois et je récupère des carottes. Voilà. Allez, à tout de suite.
pour l'explication. Passons à la réalisation de notre mica. Donc, pour réaliser ce petit mécanisme, il nous faut les ingrédients suivants. Il nous faut un distributeur, un seau d'eau, une lampe de Reston, de la Reston, torche, Reston, poudre de Reston, comparateur et épaisseur, des pistons collants, un bloc quelconque, de la terre, une plaque de détection, un coffre, des coffres du moins, des entonnoirs, de la poudre d'os et la houe pour pouvoir labourer la terre. Donc, on va commencer par mettre en place notre bloc de terre qu'on va entourer, qu'on va ceinturer pour pouvoir placer de l'eau pour conserver la terre labourée tout le long. Voilà. Hop. Donc on place l'eau derrière, on laboure et la terre restera labourée. Ensuite, on va entourer le bloc de terre de distributeur. Comme ceci. Et un dirigé vers le haut. Vers le bas, pardon. Comme ceci. Voilà. On va placer déjà des blocs ici et là. Voilà. Pour faire ceinturer le. Pardon. Pour ceinturer les distributeurs. Alors, on pourrait optimiser, accélérer encore la pousse en rajoutant ici un distributeur de plus. Hein. Rien ne vous l'empêche. Le tout, et plus on va mettre des distributeurs avec de la poudre d'os, plus rapidement on va activer la pousse. Ici, donc, je vais remplacer par un bloc. Je vais placer ma plaque de détection. Je vais déjà placer ici, hop, ma lampe de Cluston. Ça, après, j'ai plus besoin. Et donc je peux fermer comme ceci, ici, ici et là. Voilà. Et là, je vais placer, pour pouvoir fermer, me retrouver dans le noir, mes deux pistons collants devant lesquels je vais mettre deux blocs. Voilà. Une fois qu'on a fait ceci, pardon, on va passer donc au niveau de la lampe de Reston. On va casser les blocs comme ceci. Ça va se faire de la place. Parce qu'en fait, il faut accéder au-dessous du bloc où se trouve la pardon, où se trouve la plaque de détection. Oula. Alors, on va placer maintenant trois fils de Reston. Comme ceci. Ici, on va placer une torche. On va casser ici. Non, ici, pardon. Ici, on va placer un répéteur. Un autre bloc. On place une torche qui va s'éteindre. Et dessus, on va placer un bloc. Une poudre de Reston. Donc ainsi, quand on va rentrer à l'intérieur, qu'on va monter sur la plaque de détection, eh bien, on va fermer les deux pistons, puisqu'en fait, le fait de monter sur la plaque de détection va envoyer un courant qui va éteindre la torche. Cette torche ici s'éteignant, il n'y a plus de courant qui arrive sur ce bloc, donc cette torche s'allume, et comme cette torche s'allume, le bloc est alimenté, donc le piston est poussé ici, et comme il y a un bloc de Reston ici, le piston du haut est poussé également. Maintenant qu'on se retrouve dans le noir, il faut maintenant faire fonctionner le tout. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut déjà alimenter nos distributeurs, pardon, de telle sorte qu'ils nous crachent de la bonne mille qu'on va mettre à l'intérieur. Donc, pour ce faire, on va créer une petite cloque, comme ceci. Donc, je vais me débarrasser de ce dont j'ai plus besoin. Avec un comparateur qu'on va placer ici en mode soustraction. On met contre ce comparateur un répéteur et on relie le tout avec de la redstone. Voilà. Ensuite, on n'a plus qu'à faire montrer notre signal ici et on va faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire comme ceci. Je fais cela et je mets. On va le faire monter. Wow, on va le faire monter comme ça. Allez. Ici, voilà. Alors, comme de toute façon, j'envoie ici un. 2, j'envoie donc 2,
du 15 sticks, oui, de 13 sticks, normalement avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alors il faut se mettre comme ça, en sneak, 8, non, on va pas le passer ici, pardon, j'ai dit des bêtises, parce qu'en plus, il faut que je mette mes hoopers après. 9, 10, voilà, normalement, il y a suffisamment de longueur, il n'y a pas trop de longueur en fait, et ça on va le vérifier tout de suite, on va casser ici, on va jeter un petit bloc dessus, voilà. Et normalement, vous voyez là, le courant est suffisamment fort pour arriver pour alimenter les trois dispensers. Donc là, vous les entendez bien, les trois dispensers se mettent à clignoter, et en même temps, mais là c'est pas visible parce que c'est tellement rapide, la lampe de redstone en fait n'arrête pas de s'actualiser. D'accord? Là, je vais récupérer mon bloc, et je vais remonter, et je vais refermer tout. Maintenant, notre système est fonctionnel. Alors, on peut très bien se contenter de sortir à chaque fois et de remplir chaque distributeur de poudre d'os, mais on peut aussi faire ce que j'ai fait de l'autre côté, c'est-à-dire, hop, comme ceci, on place un entonnoir sur chacun des distributeurs, et sur chacun, on pose un coffre qu'on va remplir de poudre d'os. Alors, hop. Ah non, je suis en sneak, c'est pour ça que j'arrive pas à ouvrir le coffre. Voilà. Je vais mettre un petit peu de poudre d'os là. Voilà. Un peu ici. Et un peu là, de telle sorte qu'on est dans chaque distributeur. Ensuite, on se place ici si on veut, ou là. Voilà, un petit coffre dans lequel on va placer nos os, non, pardon, notre blé, nos carottes, nos pommes de terre, qu'on n'a plus qu'à récupérer. Donc là, je vais le récupérer puisque je suis en créatif. Je vais vous prendre une pousse de blé. Une carotte. Non, pas 64 carottes, j'en veux juste une. Et voilà, j'ai tout effacé, c'est pas grave. Donc, une carotte, une pomme de terre et du blé. Et ensuite, vous vous mettez dans la machine. Donc là, on entend qu'il crache et il n'y a plus qu'à planter et à attendre que ça pousse. Voilà. Il suffit d'appuyer plusieurs fois. Et là, vous voyez, je me mets à produire du blé ou de la carotte ou de la pomme de terre. Pardon, de la pomme de terre ou de la carotte. Ouais, vous voyez, ce système est très efficace. Ouais, en peu de temps, il y a des 14 carottes, 20 pommes de terre et 12 blés. Donc voilà, une machine très efficace. Voilà, donc j'ai vu ce système sur PC. Je ne sais pas s'il existe sur Xbox. J'ai vu un peu tuto similaire. Je crois que c'est. Je ne sais plus si c'est Hypier ou Zephyr qui l'a fait sur PC. Mais voilà, je vous l'ai repris sur Xbox. Je ne sais pas si ça existe sur Xbox. Donc si ça existe, je vous rappelle que je n'ai pas cherché à copier qui que ce soit. J'ai vraiment refait moi-même. Je l'ai adapté pour la Xbox. Donc voilà. Si ça vous plaît, ben, mettez un petit pouce vert. Si vous avez des petits commentaires à mettre, n'hésitez pas à m'en mettre. Et celle-ci, je pense que c'est pas trop utile que je vous la détaille parce qu'elle est vraiment trop gourmande dans Redstone, mais elle fonctionne elle aussi, quoi. Voilà. Donc je pense qu'un système comme ça est beaucoup plus intéressant à mettre en place en survie pour pouvoir récolter rapidement du blé. Voilà. Et bien, je vous dis à bientôt pour le prochain tuto.